Soyons clairs, les changements effectués par le gouvernement conservateur dans les ministères ne sont pas fondés sur la science ni sur les faits. Les conservateurs font des compressions dans une division de l'Agriculture Canada qui se consacre à assurer la profitabilité de l'agriculture. Ils ont aussi changé la vocation du Conseil national de recherche pour qu'il soit à la solde de l'industrie au lieu de faire de la recherche fondamentale. Pourquoi faire ces changements, des changements idéologiques qui ne rapportent rien à l'agriculture ou à l'économie? L'honorable ministre de l'Industrie. Bonjour, Monsieur le Président. Ce qu'on fait, c'est le Conseil national de recherche du Canada, il y a un plein potentiel pour aligner les recherches avec les besoins du marché, avec les besoins de l'industrie. Pourquoi, Monsieur le Président, pour arriver avec une augmentation de la productivité, de la compétitivité, ce qui génère ensuite de ça de la demande, des emplois de qualité, ce qui fait qu'on a une croissance économique et de la création d'emplois. C'est ça qu'on fait, Monsieur le Président. Et on nous accuse à tort, Monsieur le Président, de couper dans la recherche, alors que c'est ce gouvernement-là qui a mis plus de 9 milliards de dollars d'argent nouveau depuis 2007. Et ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voter contre. Alors ça, c'est de la science, Monsieur le Président. La mathématique est très claire à comprendre. Ces gens-là parlent des deux côtés de la bouche.